En fait, voilà, c'est ma première expérience en tant que candidate à des élections, mais ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille dans la sphère publique. J'ai commencé sur les chantiers de travaux publics à Paris il y a bientôt 20 ans, et puis tout dernièrement pour la commune de Saint-Gilles au cabinet du bourgmestre, je coordonne les politiques de rénovation urbaine, les programmes européens. Voilà. C'est vrai que c'est Charles Piquet, hein, notamment, qui a initié les contrats de quartier en région bruxelloise il y a aussi plus de 20 ans. Ce sont des programmes qui ont apporté beaucoup à Bruxelles et qui continuent d'apporter beaucoup. D'ailleurs, à Forêt, tout près de là où j'habite, Forêt lance son cinquième contrat de quartier dans le quartier Marconi, qui est tout près de là où j'habite. Donc, ce sont des programmes de revitalisation urbaine qui travaillent sur le bâti, qui travaillent sur les logements, la création de logements à caractère social. Tout ça est intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi dans ces programmes, c'est la dimension humaine, la participation citoyenne, l'encouragement, le soutien aux initiatives associatives. Ça touche l'enseignement, la mise en emploi, les aspects, la jeunesse, etc. Donc tout ça m'intéresse. Donc c'est la relation aux habitants, la relation aux citoyens, la participation. Donc j'ai envie de, voilà, pour en revenir à votre question, après avoir travaillé pour les mandataires politiques, j'ai envie de faire un petit peu l'expérience moi-même, d'être un petit peu plus au cœur de l'action. C'est donc pour ça que je me présente à Forêt cette année.